Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me retrouve dans une nouvelle vidéo dans mon ancien décor. Je suis retournée chez ma maman parce qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo. C'est pas de la beauté, c'est pas de la mode. Je voulais juste vous faire une petite vidéo de tout ce qui me rappelle vraiment mon enfance. Je sais que ça va rappeler plein de choses à plein de gens qui me regardent. Je suis née en 96, donc du coup il y a quand même 20 ans qui nous séparent de cette petite date, presque 21. J'ai fait une liste qui est juste énorme. Je pense qu'il y a plus de 100 choses dedans. Donc voilà, on va revenir ensemble sur ces petits détails. J'ai retrouvé plein de souvenirs. J'ai fait tous les cartons et tous les trucs pour retrouver les jouets, les machins, pour illustrer tout ce que je vais vous dire. Ça m'a rappelé trop de souvenirs d'ailleurs. Il fallait absolument que je sois chez moi, donc vous me retrouvez dans mon ancien décor. On va commencer sans plus tarder parce qu'on a plein de choses auxquelles on va débattre, tout ça, tout ça. Donc c'est parti. Déjà, on va commencer par un truc qui m'a marqué quand j'étais petite, c'est le clip de Britney Spears dans l'avion. Dora l'exploratrice, Bob l'éponge, les tétines bleues, vous savez qu'on avait dans les boulangeries qui piquaient un petit peu à la framboise. Tellement bon, c'était vraiment mon péché mignon quand j'étais petite. À chaque fois que je sortais de l'école, j'allais à la boulangerie avant que ma mère vienne me chercher juste pour acheter ces putains de tétines bleues. Zack et Cody, Phénomène Raven, évidemment Phénomène Raven quoi. Lizzie McGuire, pull bébé Milo, évidemment les pulls Marshall. Qui n'a pas porté de pull Marshall? Les Converse avec écrit des trucs dessus. Donc me demandez pas pourquoi c'est encore ça chez moi. Évidemment j'en avais plein d'autres, j'ai retrouvé que celle-ci. Vous voyez? Bon, c'était marqué Love à la base. Sur l'autre j'avais fait un petit relief. Bon évidemment ça s'en va. C'est vraiment magnifique. J'adore. La tectonique c'était tellement à la mode à mon époque. Les blingies. Donc je vais vous mettre des petits exemples de mes plus beaux blingies. Mon dieu, c'est honteux. Les Skyblog, les excès. Donc oui j'avais un excès, je sais que c'était un peu genre fashionista quand j'étais petite. Il y a eu la période Skyblog et puis juste après il y a eu la période excès. Je mettrai le lien de mon excès si vous voulez voir ce que c'est. Les bonbons en soucoupe, j'aime toujours autant ça, mais déjà vraiment quand j'étais petite je bouffais que ça aussi. La Star Academy, Grégory le Marshall, qui a volé l'orange. Les poupées Corolle. Donc je sais pas exactement si c'est une poupée Corolle, mais cette poupée me fait extrêmement peur. Tu sais que quand j'étais petite je jouais vraiment beaucoup à la poupée et elle a des cheveux ma chérie. Va falloir faire un petit soin parce que là c'est sec hein. Les poupées Barbie. Et j'avais déjà une poupée Barbie qui était un peu à la mode d'aujourd'hui hein. Télé-réalité tout ça, décolleté olé olé hein. Les poupées Barbie, je crois que ça a été la plus longue période de ma vie. Évidemment, le petit Action Man que je piquais à mon frère pour pouvoir jouer avec mes Barbie. Je jouais aussi également beaucoup au Playmobil, j'en ai retrouvé quelques-uns. Mais vraiment pareil, avec mon frère, on avait des planches, on avait 15 000 trucs pour monter des garages, la plage, la ferme, les Playmobil, toute ma vie aussi. Les têtes brûlées, les sucettes avec le bout qui pique, la récréation, le chat perché, la chasse à l'homme. On avait aussi les Scooby-Doo, là là, c'est trop mignon les Scooby-Doo, toute ma vie aussi. Bon évidemment, comment parler de mon enfance sans parler de feuilles Diddle. J'ai trop le seum parce que j'ai retrouvé que celle-ci. Des classeurs entiers avec toutes mes feuilles. Diddle et Diddlina. Oh là là, mais Diddle, c'était genre comme ça, même quand on était au CPCE1, on jouait au Diddle quoi. On s'échangeait nos cartes et d'ailleurs on se faisait racketter par les plus grands qui des fausses feuilles blanches. Franchement, je vous garde à l'œil. Évidemment, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, l'acrosport, le sport de tous les collégiens du monde. Doodle Jump. Il y avait aussi ça, mais alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le magazine Les Petites Sorcières et avant, il y avait Les Petites Princesses. J'étais abonnée et j'adorais ça. Ça date de quelle année? Mars 2005, c'est trop mignon. Ilona et son pays des merveilles. Je n'en pouvais plus de cette musique. Le steak frites, les menus enfants à McDo, les talons compensés, le pire fail du monde. Les premiers talons qu'on voulait mettre et que maman voulait pas acheter. On s'habillait tous chez Miss Coquine et chez Jennifer. Grosse, grosse erreur. Les bracelets en forme d'animaux. Alors ça, j'hallucine parce que j'ai pas réussi à en retrouver. Ça, franchement, ça m'a marqué quand j'étais petite. J'en avais vraiment, vraiment beaucoup. Mais ça, je n'arrive pas à me dire dans quelle période c'était. Je regardais aussi beaucoup KD2A, Nos Années Pension, H2O, les Tamagotchi. Ma mère n'a jamais voulu m'en acheter. Les Totally Spies, les jogging Adidas. Alors ça, au collège. C'était trop la mode. L'ardoise, les baladeurs MP3, la Game Boy Color, la Nintendo 64, les cassettes vidéo ou les cassettes audio. Je vous ai retrouvé des petites pépites, les gars. Alors, je vous ai retrouvé la cassette vidéo de la petite sirène. Regardez comment c'est magnifique. C'est presque collector, je pense. Dans les cassettes audio, parce qu'il y avait aussi les cassettes audio, je vous ai retrouvé le Winnie l'ourson. Et moi, je me souvenais les mettre dans mon petit truc comme ça, là. Oh, mais ça, par contre, c'est vieux. Hein. Les balles rebondissantes. Il y avait un Samsung Hello Kitty.
tout le monde l'avait. C'était un truc qui se coulissait et tout. Moi, je voulais trop un portable qui se coulissait. C'était trop la mode. Oh mon dieu, c'est tellement loin. Ok, les Sims. Mais j'ai tellement joué aux Sims avec ma meilleure pote Océane, que vous avez déjà vu plein de fois. Quand on était au collège, on faisait exprès de s'acheter des Sims différents pour pouvoir s'échanger les CD. J'avais toutes les options de Sims quasiment. Franchement, je jouais aux Sims tout le temps. Je faisais des maisons, c'était mon kiff. Laurie, évidemment Laurie, c'était toute ma vie. Car je resterai ta meilleure amie. Je serai là toujours pour toi. Moi j'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Elle me lâchera pas aussitôt à 20 ans. Ton état possible à 20 ans. Tu adores la tine. C'est tout pour le petit instant chantant. Les rouleaux Ouba Ouba de chewing-gum. Tom Tom et Nana, évidemment. Hein. Le docteur Maboule. Les gars, vous allez halluciner, je vous ai même retrouvé ça. Les Polly Pocket. C'est juste ces petits machins là. Je ne sais pas comment j'arrivais à m'amuser avec ce genre de choses. Les rollers. D'ailleurs, j'aimerais bien en refaire. On a parlé de Jennifer tout à l'heure, mais on allait aussi beaucoup chez Claire's. J'ai retrouvé ça. À quel moment de ta vie tu te dis que tu vas mettre des boucles d'oreilles qui ont cette tête? Ah là là, qu'est-ce qu'on peut être con quand on est jeune. Bon, c'est du Claire's aussi, mais comme ça a été une grosse mode, je pouvais pas passer à côté de ce genre de petits bracelets. J'en avais des roses fluo, des verts fluo, des jaunes fluo. Non, c'était un total faux pas dans la mode, les cocottes en papier. Je pense que je vous ai retrouvé un truc collector, les amis. L'appareil photo jetable Kodak. Les POG, les... Pog, la musique des Crazy Frog. Mon dieu, qu'est-ce que c'était de la merde. Et on écoutait ça tout le temps. Les webcams, les toupies Blade Blade, le crayon noir dans la muqueuse, tu sais, à la fin du collège. C'était vraiment très beau, ça aussi, j'adore. Tiji, les Teletubbies, les Razmoquettes, Jumanji, les Inconnus, les couilles de mammouth, les petits bonbons là, super gros. D'ailleurs, c'était pas bon ce truc. La corde à sauter, MSM, Messenger. Comment vous dire qu'on en a passé, nous, du temps là-dessus. Je me souviens, on mettait des petits statuts un petit peu badants pour résumer un peu notre esprit du moment. On mettait des petits messages subliminaux. C'était sympa, quand même, cette époque. C'était vraiment drôle. Ça rappelle trop des bons souvenirs, en vrai. Faire passer des mots en cours. On le faisait tout le temps, ça. Et quand on était au collège, en 6e, on s'envoyait des lettres. On s'embrouillait en cours via du papier. Les booms. Les premières booms du collège. Max et Lily, quand on regardait l'âge dans nos verres, les élections des délégués. Bonne nuit les petits. Mickey Mouse, la musique de la pub mousseline. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Moi je fais un petit volcan pour mettre le jus dedans. Comment j'arrive à me souvenir de choses aussi futiles et pas de mes cours? J'adore. Le Hit Machine, attention à la marche. Le Love, la ferme célébrité. La Nintendo DS avec Nintendogs. Les Lego, le fameux Dico des filles. Celui-ci date de 2009. Mais en vrai, le Dico des filles, c'est pas mal. On parle beaucoup des Polly Pocket, mais moi, en vrai, je jouais plus au Fashion Polly. Regardez la coupe de cheveux de celle-là. Très, très sympathique. Je pense que c'était pas ce que je voulais à la base. Et j'avais, genre, plein de fringues. Ouais, j'ai vraiment tout retrouvé. Petites armoires. Quand tu ouvres l'armoire... Beaucoup trop stylée. Après, ça, c'était celle-là. Trop belle. Une petite blonde. Comme moi. Je voulais pas ramener, mais ce qui me rappelle aussi beaucoup, beaucoup mon enfance, c'est les cahiers de vacances. T'avais le droit à toutes les vacances, et moi, bizarrement par rapport aux autres, j'adorais ça. Voilà, hein, Claire, toujours aussi chelou. J'essayais de les finir le plus vite possible pour plus en avoir à faire. Déjà, il y avait un peu de 1 hein, dans le ciboulot. Art Attack. Je sais pas si ça existe encore. C'était sur Disney Channel, et franchement, je regardais tout le temps Art Attack. J'étais un peu une fille créative quand j'étais petite. J'avais des activités un peu cheloues. Voilà, c'est tout en ce qui concerne les souvenirs vraiment de mon enfance. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez pensé à d'autres trucs que j'ai pas pu dire dans la vidéo. Évidemment que j'ai pas tout cité. J'ai adoré préparer cette vidéo. Parce que ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt.